Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du Heavy Rain, éditeur, par le développeur Quantic Dream, en 2010 à la base sur PlayStation 3, puis en mars 2016 sur la PlayStation 4. C'est un jeu que je ne connais pas. Il fait partie, Quantic Dream a fait plusieurs jeux dans ce même principe. C'est dirigé par David Cage. David Cage est un excellent développeur, franchement. Donc, Quantic Dream a sorti Beyond Two Souls, que je ferai prochainement, et The No Man's Soul et Fahrenheit. Donc, c'est des jeux qui sont plutôt intéressants. Ils ont tous été édités par Sony pour tous les jeux. Donc, là, on va partir sur le principe du tueur à l'origami. L'origami, pardon. Donc là, on fait les gars, les machins. Ouais, je te vois pas le symbole. Voilà, on va mettre comme ça, c'est très gênant. Je suis très sûr, je veux dire, je connais parfaitement la manette. On va se mettre en difficulté. Enfin, il y a le choix entre deux trucs. Non, on va pas prendre la tête. Je vais surtout découvrir l'histoire principalement. Vous la faire découvrir. Oui. La faire découvrir aussi. Donc, du coup, on va le faire. Je joue régulièrement aux jeux vidéo. Je suis un joueur occasionnel. Je ne connais pas bien la manette sur le fil. Voilà, on va prendre ce défi-là. Normalement, le jeu se fait en plusieurs sessions. Alors c'est fait par avec de la motion capture. Donc c'est plutôt sympa. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. C'est vraiment une découverte, hein. C'est fait avec de la motion capture. Donc,
Oula. Est-ce que ça peut l'appareil vous disposez un petit peu? Mince, j'y étais presque. Non, c'est bon. Trouvez ça fun. Sympa. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. T'es pas drôle, hein? T'aurais pu descendre à Wattpad, hein? Tu prends pas ton petit déj? Eh oh! Ouais. Je secoue la manette. Ah, je suis pas douée pour le rasage. Hein. Simple. Pas simple du tout. Mais t'avais même pas de fringues posées sur le truc là. Je comprends pas. Non mais. Il va me dire d'aller m'habiller. Une jambe après l'autre, hein. Pas trop vite, hein.
Merci Johnny Félix pour le 85 pour le follow. Ah bah voilà, on est bien habillé. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. T'aurais pu rester dans le jardin, hein? Autre chose à la télé. Bon, moi, si tu veux. Je crois que je dois être architecte. Dirais-moi quand je dessine. Ah, faut que je tire les trois boutons. Ouais, c'est ça, je vais être architecte.
J'ai bien avancé sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. T'as même fini les plans, hein. Je dis ça, mais je dis rien. Content d'avoir terminé mon travail. Je vais pouvoir me détendre et profiter de la journée. Je pourrais mettre un peu de musique. Ouais, cool, quand tu vas voiture téléguidée. Oh bah non! Vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture? Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider, s'il te plaît? J'arrive. Ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? Réussi à travailler un peu? J'ai pas mal avancé sur les plans. Encore quelques détails à régler et on devrait être prêt à présenter le projet immobilier au client. J'ai un milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Problème, je m'en occupe. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. Ça prouve qu'il met pas souvent le couvert. Fais-y attention, d'accord ? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, Madame Mars. Mais je vous trouve très séduisante. Vous n'êtes pas mal non plus, Monsieur Mars.
Oh. Je sais à quoi tu penses, Ethan. Mais c'est vraiment pas le moment. Il faut vraiment que je m'occupe de la fête. C'est même pas drôle. Discussion ce soir. Jason a l'air content. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il ait déjà 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier qu'on partait tous les deux au lycée. Ça y est, on vient vieux, Ethan. Les invités de Jason arrivent quand? Vers 2 heures. J'espère arriver à garder la situation sous contrôle. Pas comme l'année dernière. Réussi à trouver le cadeau pour Jason? Ouais, je suis passé le prendre au magasin tôt ce matin. On a eu de la chance, c'était le dernier modèle en rayon. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non merci, je dois vraiment sortir. Il a même pas mis de filtre à café. Ah ouais, le café, ça t'a pas suffi. Dégueulasse, le jus d'orange. Tu peux... J'irais bien jouer dehors avec les enfants. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis maman. Qui veut commencer? Moi d'abord! Non, moi d'abord! Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. C'est très intuitif, hein. C'est mon tour maintenant. Allez, viens, Chesa. On va faire l'hélicoptère. Allez papa, moi.
Montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles. Attention, accrochez-vous. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Je sais pas où il est. Hein. Je cherche tranquillement. Certaines choses doivent arriver. Comme si on n'en veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Je sais. Bizarrement la pompe. Jason. 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 Jason! Jason! Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Dis papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez!
Alors, on va acheter un ballon. Super! Hé, hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te fait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à la fin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason. Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Jason! T-shirt vert. Vite! Il faut que je descende maintenant, sinon je vais le perdre dans la foule. Jason! 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 Duncan. Il n'a pas pu aller bien loin, je vais le retrouver. Oh, c'est vous, hein. Le ballon rouge. Il faut que je suive le ballon rouge. Mais poussez-vous les gens! Je vais le perdre. C'est quoi ton problème? Jason! Jason! Garde un peu où tu vas! Ah, tu m'as failli me laisser quoi? Non, c'est pas lui.
Quantic Dream est un studio français, hein, donc c'est une production française. Et puis Ray. Mais tu sais, avec des vrais acteurs et tout ça. Salut papa. S'est séparé de la mère de son fils, de ses fils. Devoir dîner au lit.
Mais non, je voulais pas fermer le frigo. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On le fera plus tard, d'accord? D'accord, je reviendrai te voir un peu plus tard. C'est l'heure du goûter. Est-ce que tu as faim? Oui, un peu. Je vais voir ce que je trouve dans la cuisine. Tiens, Sean, voilà ton goûter. Merci, papa. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On le fera plus tard, d'accord? Il vaut mieux s'y mettre maintenant. Comme ça, ça sera fait. Va chercher ton cartable et installe-toi dans la cuisine. Je vais venir t'aider. Pas grand chose dans le frigo, hein. Le si vite que le mien. Ça y est, j'ai terminé. Je peux aller regarder la télé? Laisse-moi jeter un œil. C'est bien. On dirait que tu as terminé. Tu peux y aller. Pour un jeu qui a 7 ans, enfin, sauf la remasterisation.
qui date de l'année dernière. Mais il tient, ça va. Enfin, il n'est pas si dégueulasse que ça graphiquement, quoi. Écoutez, devoir dîner, coucher. Ah oui, mais faut que je prépare le dîner, quoi. Faut que je prépare le dîner. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Non merci, j'ai pas encore faim. Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble? Je préfère regarder la télévision. On dirait que tu as attrapé. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que ta maîtresse est sympa? Tout va bien, papa. Bon. Tu veux qu'on parle un peu? Parler de quoi? Je ne sais pas, de toi, de tes copains. Comment ça va? Rien de spécial. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Bon, je vais voir ce que je peux te préparer. Je t'appelle quand c'est prêt. J'ai du poulet au micro. Tu peux venir, Sean? Le repas est prêt. J'arrive! Grace a la garde de Sean ce week-end. Je crois qu'il est impatient de retourner chez sa mère. La nuit tombe. Je devrais allumer la lumière. Essayé. Tu crois que je pourrais apprendre, moi aussi? Bien sûr, je te montrerai si tu veux.
Quand Origami, une septième victime identifiée, la police a confirmé que le mode opératoire était bien celui du... Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatiguée. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Ça ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Et je te rejoins. Il en veut vraiment à son père. Oh. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Et elle aime pas les toilettes du bas, je crois aussi. Pardon. Oh, j'ai oublié de faire ça. Bonne nuit, Sean. Mon nounours! J'ai pas mon nounours, papa! Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la maison pour voir si je le trouve, ok? Je vous préviens, je fais pas les bons choix. Hein.
peux dormir maintenant. Oh non, papa. S'il te plaît, j'ai besoin de mon nounours. Non, on le retrouvera demain. Maintenant, tu dors. Non, non, me laisserai jamais dormir sans mon nounours. Pourquoi t'es méchant comme ça avec moi? C'est pas ma faute si Jason n'est plus là. C'est pas ma faute. Hé, j'ai fouillé la maison. Canard B Corner North. Joyeux anniversaire. Récit interactif. Winter, ça vous dit quelque chose? Non, je vois pas. Oh, cette Lorraine Winter là. Troisième étage, dernière porte à gauche, au fond du couloir. Désolée, je reçois que sur rendez-vous. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. C'est un peu chelou. Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé, ok? Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis pas un client. Et merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi? Une passe gratuite, c'est ça? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Le tueur se promène en liberté en ce moment. Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas. Johnny est mort, alors qu'est-ce que ça peut bien faire ?
Il y aura d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez peut-être quelque chose qui peut faire avancer l'enquête. Vous aider ? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mon fils est mort, vous entendez ? Il est mort ! Si on ne retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans les terrains vagues. Hey, vous avez raison. C'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était ? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins nous traitaient de... Vous savez... À sa manière, je crois qu'il comprenait ce qui se passait. Comment est-ce que votre fils a disparu ? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait à verse. Je m'en rappellerai toute ma vie. Tous ses copains sont rentrés chez eux vers 5 heures. Vous en voulez une ? Non, j'ai arrêté, merci. C'est courageux. Vous n'avez plus d'autres questions ? Parlez-moi du père de Johnny. Un loser sans boulot qui me frappait quand il avait un peu trop bu. Le jour de la disparition de Johnny, il s'est tiré. Un lâche. Tant mieux qu'il soit parti. Le temps, c'est de l'argent, Monsieur Shelby. Si vous n'avez plus d'autres questions, dégagez. Johnny vivait avec vous ? Oui. Bien sûr, je faisais en sorte que Johnny ne croise jamais mes clients. Je voulais arrêter, vous savez. Mais on avait besoin d'argent. Je voulais tenir le temps d'avoir assez de fric pour partir d'ici. La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, allez-vous-en. Allô, la porte ! Je vais lui laisser ma carte sur la table de la cuisine, on sait jamais. Si vous vous souvenez de quelque chose, même en détail, appelez-moi. J'ai pas appris grand-chose, mais bon, ça valait le coup d'essayer. Salut, Metalibi ! Comment vas-tu ? Pas la peine d'insister, elle me dira rien de plus. Je crois qu'il vaut mieux que je parte maintenant. Bouge ton nez. Ouais.
Lorraine, ouvre, bébé. C'est moi. Désolé, bébé. J'avais 13 ans. Qu'est-ce que tu veux, connard ? Lorraine, est-ce que tout va bien ? Elle va super bien. Maintenant, dégage ! Encore toi ? Si tu cherches les emmerdements, t'as gagné. Je vais te défoncer ta sale gueule. Oh ! Est-ce que ça va ? Mieux que lui, je suppose. C'était qui ? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre. Monsieur Shelby ? Oui. Merci. Non, je l'ai jamais fini. Enfin, je l'ai commencé. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait virer. Non, je l'ai jamais fait avant. J'ai eu le temps. 52 chapitres. Ok. Je recommence à trembler. Ça va passer. Ça finit toujours par passer. Foutue pluie. Il n'a pas arrêté de tomber des cordes depuis que je suis arrivé. Je sens que je vais me plaire ici. J'ai noté ce nom quelque part. Blake. Le lieutenant Carter Blake, c'est ça. Les journalistes sont déjà là. Ils ont l'air d'être bien informés.
Effectivement, Jill. Un corps a bien été retrouvé dans ce terrain vague ce matin. La police est encore sur les lieux, en train de rechercher des indices et d'interroger des témoins. Le périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jadon, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jadon? Oui. Oui, bien sûr. Bizarrement, il a la tête à Mulder sur sa carte. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? J'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Enregistrement mémo vidéo, agent 47023, Norman Jadon, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Ça, c'est cool. Quand est-ce qu'on a trouvé le corps? Excusez-moi, mais vous êtes qui exactement? Norman Jadon, FBI. Vous avez des questions? C'est au lieutenant Blake que vous devriez parler, monsieur. Je le cherche, justement. Vous savez où je peux le trouver? Merci. C'est du café que vous buvez là? Voilà dans le thermos, derrière vous. Avez-vous? Ça le temps, hein? Il pleut toujours comme ça? L'automne, il pleut. Pas comme ça chez vous? Ah si. Si, bien sûr. C'est pas chaud, hein? Commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. D'orchidées. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, mais elle est plus importante autour du corps. Parce que...
pari, commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique! Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Ike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes, on s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jaden? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pisser a trouvé le corps vers 6h ce matin. On sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origami. Jaden ! Je vois que vous êtes occupé. Je vais plutôt jeter un œil si ça vous embête pas. Faites comme chez vous. Hey, Jaden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok ? Avec coéquipier maintenant. Pas confiance. Je lui fais pas confiance. Harry, commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Ah, donc le corps doit être là-bas. Harry, commentaire, la victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. Non ! Boulet ! Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortem. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. C'est un peu bizarre, mais c'est captivant comme jeu. Thank you.
oublié de m'attacher. Mais merde. J'ai oublié de m'attacher. Oh là là là. Ce jeu, je joue tout seul aussi. Bah... Ouais. J'ai au moins un Eddy. Tu as déjà fait? Moi, c'est la première fois que je le fais, hein, donc... Une chauve-souris. Une tête de loup. Un crabe. La mort. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean ? Je sais que je le déçois beaucoup. Je ne suis pas le père qu'il aurait voulu. Mais c'est un chouette gamin. Il aurait mérité mieux. Et vous, Ethan, que ressentez-vous ? Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean ? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan ? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. J'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident ? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. Oui, j'ai dû me chanter. Très mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Très rare de sortir entier d'un tel accident. Appelle quelqu'un, le psy. J'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance. C'est un psy un peu chelou, ce mec. Jouer avec les autres enfants. J'ai pas très envie. Tu veux manger quelque chose ? Oh. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. Mais c'est... Ouais.
Fais-moi voler! Ah, tu l'as déjà fait, Metallica. Bah, je vais essayer de le faire en entier celui-là parce que bah, je l'avais pas fait et je l'avais jamais fait auparavant. Et vu que je l'ai eu avec le bundle de Beyond Two Souls et que j'avais, l'année dernière j'ai fait Beyond Two Souls, je vais le refaire Beyond Two Souls mais. Mais c'est vrai que son gamin, comment il meurt. Enfin, le premier. Là, quoi. Ça te dirait de faire un peu de balançoire? Pour être poussé? D'accord. Le gamin, il n'est pas très réceptif à son daron, enfin, en même temps. C'est compréhensif. Ah merde, à chaque fois j'ai pas mis faire. Je me suis loupée, c'est tout. Ouais, mais il y a une issue. Ouais, voilà, ouais. Mais non. Papa, qu'est-ce que tu fais? Jouer à ça. J'ai vu un boomerang dans son sac. Dans le temps, je savais m'en servir. Bonjour, je voudrais un paquet de bonbons à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Tu vois pourquoi j'ai acheté des bonbons. Hé, hey, j'ai pris des bonbons à la fraise. Je déteste la fraise. Merci, c'est gentil quand même. On dirait qu'il va pleuvoir. Pardon. On ferait mieux de rentrer. Ok. Ok. Ah, il me déprime ce gamin. Putain. Quand Jason était encore là, des fois je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi.
Dis, papa, je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Bien sûr. Va choisir ton cheval et moi. Va acheter un ticket. Manège, $1. Il est sur sa monture l'autre là? Non, toujours pas. Le gamin n'a pas disparu encore. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas grave. Merde, je voulais qu'il se fasse faucher. Oh merde. Pour une fois que tu cours. Pourquoi t'as pas appelé ton ex-femme pour savoir si elle avait pas le gamin chez elle? Ah bah non, il a son sac. La logique. Non, pas la porte. Non, mais c'est le fixe, ça. Bons amis. Trop fort.
je joue à la balle. Merde, j'étais en train de jouer à la babelle là. Ouais, on peut avoir les mêmes lunettes. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Toi, je crois que je vais faire ton autre cravate. L'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendons. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a les journalistes tous les jours. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a dit neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous... Tu veux pas que je fasse ton nœud de cravate, là? Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Le type, ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays. Mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite. Ah, il me fait penser à Simon Baker dans Mentaliste. Ça me revient. Et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Pourquoi t'as mis une cravate aussi? Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. C'est elle, Charlène? Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de chose qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Allez. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez me trouver. Un placard à chaussures? Oh, mais quel honneur! Bon, au boulot. Ok. Peut-être t'as quand même jeté le téléphone.
Non, mais pose ton cul sur la chaise, là. Remets-le. D'abord, changer de bureau. C'est toute beauté. Ouais, mais non. C'est tout ce que j'ai plus la tête dans les étoiles. Ouais, on va remettre ça. Tiens, tiens, on dirait qu'il y a du neuf. C'est trop fandard. Huit victimes disparues ces trois dernières années. Tout était des garçons. Entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. C'est excellent. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice.
Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Harry, commentaire. Trace de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Ça va aller. Je peux y arriver. J'en ai besoin. Ça ira mieux après. Il faut que j'en prenne. Juste une fois. Oh, Gerbinotron. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé ? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc ? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... je ne suis plus très sûr. Non, c'était 16h15. Portait votre fils quand il a disparu. Il portait un manteau. Un manteau beige. Et un pantalon. Un pantalon de marin. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous en aperceviez ? Peut-être pas resté devant le manège ? J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. C'est pas vrai. Je suis revenu. Le tour de manège était déjà terminé. Sean n'était plus là. Dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Bon. Pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis ? On dispose de 4 jours pour le retrouver.
Oh, c'est la mer. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Je pense que c'est le tueur aux origami. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Rien de plus à dire. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait. Sauvez mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serai perdu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Est-ce que j'ai joué la traître? Ouais. Je vais jouer la méchante. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, mène-toi! Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard! Pose la thune sur le comptoir! Merde, mais t'es fou ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse? Non. Non, monsieur. J'ai pas le droit de me voler cette fois. J'ai travaillé dur pour la voir. Je ne pourrais pas le prendre. Tu déconnes, mec. On va bien piéger la situation. J'ai payé une putain de balle entre les deux yeux. Si tu fais pas tout de suite ce que je te dis. Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Vous auriez mieux de partir maintenant. Putain, espèce de sale connard, ouvre ta caisse. Dépêche-toi, sinon je te bute. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je vais te buter, mec, je plaisante pas. Je te jure que
sais compter jusqu'à 3. Tire 3, envers cette putain de caisse. Je te jure que je te bute. Il n'y a presque rien dans cette caisse. Vous n'allez pas tuer un homme pour quelques dollars. 2. Ce n'est pas juste, monsieur. Ce n'est pas juste. 3. Dans la jugulaire. J'aurais voulu vivre assez longtemps pour voir celui tuer Reza. Oh, colère ici. Pourquoi ces fringues, ils sont pas tachés de sang? Va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour mon casque. Mais comment ça? Alors, si c'est du vent, comme quelqu'un qui respire dans un micro, c'est logique. J'ai le droit de respirer métallifique, quand même. Et ensuite... Oui, oh, 2 secondes, le micro-ondes, là. Et puis après, non, je me frotte pas tant que ça, en fait. C'est pour ça que je comprends pas. Non, non, mais je respire fort, je sais. Ça, je le sais bien.
Au moins que t'entends peut-être ma PS4 tourner aussi. Parce qu'elle est brûlante. Foutue insomnie. Je suis épuisée, mais impossible de fermer l'œil. Une bonne douche brûlante, des fois ça m'aide à trouver le sommeil. C'était la porte d'entrée, j'allais sortir dehors comme ça. Oh oh! Salut Yorel! Comment vas-tu? Heavy Rain de Quantic Dream. Oh, moi ça va. Un jeu qui joue tout seul encore. Allez, penche pas beaucoup de... Allez, penche pas bien. Ta serviette, Miss. Putain, mais t'aurais pu le dire, hein. On serait allé prendre des vêtements propres. Hein. Oh là là. Oui, ça ressemble beaucoup à... Oui, un film interactif, effectivement, oui. Effectivement, oui. Je sais pas, on dirait des bestiaires. J'avais fermé le frigo, hein. Ouais, mais voilà, Quantic Dream, c'est français, donc en même temps, on peut pas tout demander. Ah non, non, j'étais sûre d'avoir fermé le frigo.
appartement. Ah, mais tu crois que le frigo va te protéger ? Sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Vas-y là! Radical, l'attaque de Hachel. Arkane Studio Dishonored aussi, c'est français, le jeu joue pas tout seul. Oui, oui, je sais. Mais... Oh là là. C'est qui m'a... Tac, tac. Vous avez débloqué un nouveau bonus. S'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. J'ai lu le courrier de tout à l'heure. J'avais déjà lu le courrier. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket.
Oui. Pardon les voisins, je fais que passer. Ouais, le genre de flûte de Hamelin. C'est un monstre dans Soul Sacrifice, le genre de flûte de Hamelin. Elles sont de l'autre côté de la gare. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. Poussez-vous, les gens, là. Oh là là, on peut pas les pousser, les taper, je sais pas. Oui, aussi, oui. J'ai entendu parler. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Son fils a été tué, son premier fils a été tué dans un accident et son deuxième fils a été kidnappé par le tueur aux origami. A été capturé, kidnappé. Pardon, pas tué, pas encore. C'est vous là. Jason. Jason. M'en poussez-vous là. Et pourtant il a rien consommé. Et les jeux Quantic Dream sont complètement barrés. Hein. J'ai traversé ce foutu hall. J'ai réussi à passer la foule.
rangée 18, casier numéro 3. Rangée 18, casier numéro 3. Je sais, ça doit être tout au fond. Et coup de chance. Un flingue, un téléphone, des origamis. Un pistolet. Une batterie. Au secours, papa. Sean. Où tu es? J'ai très froid. Papa. Papa. Mais pourquoi il a pas ouvert tous les origamis ? Bah logique.
La logique. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue ? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça ? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jelen. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone ? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un ? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir ? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroits à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite ? Il y a deux suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde ! On est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jaden ? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI ? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard ! Ça suffit ! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps ? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. C'est une course contre la montre. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Calypse, ça a pas fait mes doubles, j'ai quand même. Ouais. Ça. Encore un coup de pied dans la porte ! Ils font que ça dans le jeu. Deux portes défoncées à coup de pied, là. Et trois en moins de deux jours. Non mais oh ! C'est calmé avec les portes, hein. Oui, effectivement, il est complètement starbé, le mec. Lui, il en veut au Christ. Williams, c'est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc.
divaguait, m'injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Le carré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Toutes ces croix... Les bougies sont encore allumées. Il ne s'est peut-être pas absenté longtemps. Ah, je suis pressée de me barrer de cette pièce. Oh putain, pire. Oh putain de merde. Ah. La Bible. Non mais, c'est quand qu'on se barre? Ça bon là, vous avez fini avec vos portes? Défoncez à coups de tatane là. Mais j'avoue que je suis pas à l'aise ici. Alors lui, il connaît pas de la vaisselle, hein, ni les éponges. Faudrait arrêter de défoncer les portes à chaque fois, les suspects finissent par porter plainte et ça coûte cher de réparer toutes les portes que vous défoncez. C'est trop ça. Il tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur, tu veux bien m'en aide? Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Carter, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il fait flipper cette épine d'Arol. Moi, c'est l'endroit. J'ai des nouvelles. Ça suffit. Laissez-le tranquille. Il en faut toujours plus. C'est l'endroit, moi, qui me dérange. Vraiment. Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Carter, merde. Chercher ce gosse. C'est dingue, toi. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi? T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu
tuer l'Antéchrist. Posez cette arme, Daniel. Je vais te renvoyer chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire. Jason, tirez! Calmez-vous, Nathaniel. Personne ici ne vous veut du mal. Posez cette arme. Je veux que vous posiez cette arme par terre, tout doucement. Mais démon, tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner dans le royaume des ombres. Créature des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans le royaume des ombres et laissez Nathaniel en paix. Christ tout-puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer, par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Calmez-vous, Nathaniel, tout va bien se passer. Reculez, doucement. Va directo, va directo, flico puritas. Déjà que j'en ai décidé de mourir tout à l'heure. Mettez les mains sur la tête. Retournez-vous. Putain, mais... Heureusement, j'ai pas tiré. Je t'exorcise, Satan. Allez, ça suffit le cirque maintenant. Il est en état d'arrestation. Vous avez fait preuve de sang-froid. J'aurais pas hésité à tirer. Tout ne se résout pas à coups de revolver. Peut-être pas, mais la plupart du temps, ça aide. Ouais. Federico Furito Suflico. Ouais, non, on va peut-être s'arrêter là, parce que j'ai un horizon qui m'attend dans une demi-heure. Donc là, j'ai le trophée de sang-froid. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter... bon après-midi, on se retrouve dans 20... Wait. Attends, wait, toi. Hop. Non, c'est bon, je vois pas toucher au stade de ça. On se retrouve dans 20 petites minutes, voire un peu moins, pour du Horizon Zero Dawn. Donc, ah, je suis là. Donc merci d'être passé. Et puis à tout à l'heure. Ouais, même moins de 20 minutes. Hein. Federico Flicos Puritas. J'aime bien. Ah, je le marque. Voilà. À tout à l'heure.